Ah ouais, j'étais à l'école du Nero, enfin le checkpoint Nero de l'école de Tchalmout. Et on avait un souci avec trois haut-parleurs qui étaient Keblo. Du coup, on va les dégommer avant. Je dirais pas qu'il y a une horde, mais il y a au moins une meute. Non, il y a une horde en fait. Et c'est se calmer un petit peu. On va pas lâcher ces enfants. C'est relou.
que tu dis de ça? Je te perds, feu. Faut chaud que de se taper comme on peut, hein. Au niveau balle, je suis quand même bien à poil, hein. Ça peut m'être utile. Je pourrais revendre tout ça. Ça découpe, les gars. J'ai plus le temps de niaiser, moi. On est là, on tabasse, on dégomme des mutants. Et on se garde l'ordre pour la fin. Et l'ordre, on va aller s'amuser à les découper plus tard. Là, on va essayer d'avancer dans l'histoire, brûler les ennemis, finir les scénarios. Et ensuite, on pourra aller s'amuser avec les ordres. Hey Mark, merci pour le host. Ça va Marc? Tu vas bien? Comment ça se passe au boulot aujourd'hui? Il me les faut. C'est des rares, ça non? Ouais, des Louisiennes. C'est beau comme planche. Enfin bref. Et la problématique ici qui se pose, c'est qu'il y a une horde là-dedans. Oh, à l'odeur, je dois plus être très loin. Une horde. Bah écoute, ça va, ouais, moi je vais faire un petit tour tout à l'heure en moto, là, c'était bien cool.
suis pas équipé pour cette horde là. Reste deux ou par là. Putain, avec l'ordre dessus, il y a un petit chat là. Mais c'est un gros chat en fait. Putain, avec la horde calée dessus. Je vais galérer de ouf. J'ai un 500 GPZ-S. Une petite moto courte. Moto en 500. J'aimerais bien changer, mais... Ça les foule. Thank you.
besoin d'un nid. Je le sens. Surtout pas que je me fasse gauler, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une horde là-dedans. C'est-à-dire que si elle sort pas préparée, je vais me faire ouvrir le cul littéralement. Voilà ce que je vais faire. Ça va marcher. Je tente ma chance. Boum. Alors. Et voilà le travail. Voilà. Comment tout seul après toi? Occupé de ta petite gueule. Ça marche, Marc, à plus. Bon courage. Ah, c'est pas hurleur en fait. Ah.
Salut Yuka, comment t'as fait pour l'entrée dans cette zone? C'est-à-dire, l'entrée, genre, moi je suis ici. Mais c'est au fur et à mesure de l'histoire que tu vas pouvoir avancer vers le sud. Putain, va qu'il fait nuit, du coup ils sont tous de sortie. Mes couilles! Pas casser les barrières, c'est ce sera ouvert quand tu pourras y aller en fait. Poulet, te stresse pas, tu vas avancer dans l'histoire et tu finiras par pouvoir y rentrer tranquillement sans être embêté. Parleur. La pire, c'est que l'ordre, en vrai, je peux la passer. Hein. Ça me pose pas problème, l'ordre. Le seul truc qui me pose problème, c'est la nuit et le fait que j'ai pas les bonnes armes. T'es pas typé les hordes, c'est l'enfer. Thank you.
pas. Je reviendrai, je peux pas. Sans, il faut que je tape l'ordre et sans les armes, je saurais pas.
Oui, oui. C'est un peu nanar quoi, mais ouais, c'est rigolo quoi, de temps en temps ça peut être marrant. Je chasse au Puma en moto. Yodel Barbac. La panne, ça c'est dommage. C'est l'un des nôtres, laisse-le entrer. Caporal, je peux vous aider? Bonjour, sergent. Oh, d'accord. Au revoir, caporal. Hé, hey, faites attention. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Sergent. Oh putain! T'as entendu ce qui est arrivé au docteur Jiménez? Une recrue l'a égorgé, d'une oreille à l'autre. Pour des médocs, apparemment. Ouais, je sais. Le doc était un type bien. J'avais le bras droit infecté, j'ai cru que j'allais le perdre. Mais il l'a sauvé. Mon bras. Ma vie aussi. Ouais, j'imagine. Le doc était un chic type.
pas de soucis. Quand tu veux. C'est une pièce de qualité, ça. Et voilà. Oh, Caporal, fais attention à toi. J'ai que ça aujourd'hui. Caporal, qu'est-ce que je peux faire? Sergent. Bon choix, c'est de la qualité. Ouais, très bien. Et voilà le travail. Au revoir, Caporal. Accroche-toi au guidon, ok? Caporal? Sergent. On se tient au jus, sergent. Hé, Caporal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Salut, sergent. Bon choix. Très bon choix. Mmh. Belle amélioration. D'accord. Caporal St. John, prends soin de toi. D'accord. Caporal, Deacon, merci d'avoir répondu à l'appel aussi rapidement. Ça semblait urgent, capitaine. Oh my best. En effet, nous avons une nouvelle prise d'otage. Un otage, merde. C'est comme si tous les squatteurs à 10 km à la ronde en avaient après nous. Enfin, après la milice, quoi. C'est l'impression que ça donne, oui. J'ai marqué sa dernière position connue sur votre carte. C'est un gamin, St. John. De seconde classe, Ross. Ethan. Je l'ai envoyé pister un groupe de maraudeurs, il a dû se laisser déborder. Le seconde classe, Ross. Je le connais pas, mais je le tirerai de là, capitaine. Bonne chance, St. John. Terminé. Ah, Caporal St. John. Hé, sergent. Attends, j'ouvre la porte. Je fais un guignol, je regarde le réservoir, je me latte. Il a vraiment bien aussi ce jeu de Death Stranding, il faut que je le fasse un jour. On l'a vu le petit bidon, let's go. T'en avais bien besoin. Marco, t'es là? C'est bon. Yeah.
à bébé essence. Ah, excuse-moi, j'ai pas vu que t'avais répondu, Marco. T'es bon pour tout à l'heure, Sea of Thieves, toi ou pas du tout? Let's go. Tu peux checker vite fait si l'événement des Reapers il est fini, s'il te plaît? J'ai pas pensé à regarder. Navigera sans fanion, c'est tout. T'es où, Ethan? Je viens te chercher. Pas avec leur camp, eux. Dernier mec, il voulait pas lâcher prise, ce con. Mais bon, mais j'ai pas envie d'en parler. Bah tu peux le DL, ouais, je pense qu'on va tenter. Oh, il y a une brute là. Eh bien, on va envoyer la brute dans le camp. Elle va faire la moitié du ménage toute seule. Thank you.
parti. Ils déconnent pas avec leur camp, eux. Ça doit commencer à être la dèche dans le camp. C'est quand le prochain ravitaillement? Bien. On se tiendra prêt. Cours au camp. C'est parti. Bon, moi je pourrais déjà tout niquer et y arriver les gars, c'est juste... Ça me fait rire de me dire que c'est la brute qui va tout niquer. Thank you.
Eh ben, ça fait un bon paquet de maraudeurs. Oh, bordel. Vachement sale, quoi. Mort. Une prime. Sans pas, bon. Je m'occupe de tout ça tout à l'heure. Voilà. Valeur là. Il est encore là, je l'entends. Rentre, saloperie. Ça y est. Ah ouais, je les esquive en me baissant. Faire quelque chose. Salut, Ethan, je présume, hein? Ouais, comment ça va? Caporal, la bon sang, ça fait plaisir. Ouais? Vous vouliez pas rejoindre ces enfoirés? Sûrement pas. Et j'avais aucune idée de ce qu'ils allaient me faire. Ouais, ben, rien de très agréable. Vous arriverez à repartir sans aide? Oui, oui. Et merci, hein. Spruce Lake, allez voir. Vous avez vu comment on économise des balles, n'empêche? Thank you.
Saint-John au capitaine Corey. C'est fait, capitaine. Le gamin est en chemin. Excellent, Saint-John. Merci de tant contribuer à ce qui fait notre force. La milice de déchute Canty ne serait pas la même sans vous. Merci à vous. Je rappellerai pour prendre des nouvelles. Saint-John, terminé. Je savais pas. Bonne nuit. Ouais, de la viande. Ouais. 5 viandes, ça fait plaisir. Hein. Chloé, à l'avant-poste de Diamond Lake, j'imagine. Bien sûr. Ça te plaît, ça ? C'est rigolo parce que quand t'accélères, le bébé est gardé. Dans le réservoir. Je peux mettre du jus là. Et voilà. Ça y est. Putain. Deacon Saint-John au capitaine Corey. Dites, comment va le gamin ? Bien. Un peu déshydraté et affamé. La cuisine dit qu'il a presque vidé tous les plats du mess. Dites-lui de m'en laisser un peu. Terminé.
spectateur. Il reste un nid. Fuck. Toucher tes libères. Bon, le camp est là. Pas ça drôle. Alors, lui, il veut être cool. Je peux pas les laisser sortir vivants. Ça vous plaît de planter les gens dans le dos, hein? C'est votre kiff, pas vrai? Mm-hmm.
espèce d'enfoiré. Où tu vas comme ça, hein? Ah bah ils se font tabasser par des mutants. On va juste attendre qu'ils finissent. Voilà. Il en reste qu'un. Pourquoi se faire chier? Il ne faut pas faire long feu le dernier. Je crois que c'est bon. Les routes sont un peu plus sûres maintenant. Pas beaucoup, mais un peu. Bon, ils avaient l'air du genre à avoir un bunker souterrain, non? D'annotations. Plus. Bonjour, bonjour. Ça fait un joli petit tas de cadavres tout ça. Hein, le talent, les amis, le talent. J'en ai besoin. Bon, étant donné qu'il y a un truc du Nero ici. Est-ce qu'on en profiterait pas pour se faire une injection?
l'essence. C'est bon. Fais chier. Les plombs sautés. Non, pas par ici. Oh, un fusible, cool. Ça devrait être bon. Là, ça devrait être bon. Et voilà. Foutu. Lumière verte, c'est bien ça, les lumières vertes. Merde, ça va rameuter tous les mutants à la ronde. Je crois que c'était le dernier. Bon, un injecteur. Le Néros gardait tout le bon matos. Ça va pas me manquer du tout. C'était comme
viens avec toi ? Putain, ouais, pourquoi pas. Moi, c'est Sinclair, Martine. Alors, combien d'adrations là-dedans ? Ouais, la côte, c'est pas une mauvaise idée. En tout cas, j'ai jamais vu un mutant nager. Bref, j'espère que ça a été mardi. J'arrive dans 2 secondes, les gars, je vais me chercher... Je vais rallonger un peu, parce que je vous avoue que j'ai rien d'un. J'arrive. Un petit jour et une bouteille d'eau parce que je crève soif. Vous vous rendez pas compte, mais il fait 30 degrés dans le bout. Il n'y a pas de vent. Je suis un peu au chaud, mais c'est ok.
l'odeur. Je dois plus être très loin. Voilà, un autre nid. Allez, au feu. Bonjour. Bonjour, sergent. Oui, très bien. Avec ça. Caporal, comment ça va? Salut, sergent. Ok. C'est tout ce qu'il te faut? Oh, ça j'aime bien. Bon choix. Très bon choix. Mmh. D'accord. Pas plus. Caporal, sergent. Au revoir, caporal. Accroche-toi au guidon, ok? C'est tout pour aujourd'hui. Caporal Saint John, j'ai une tâche importante à vous confier. À vos ordres. Je ferai de mon mieux. On a envoyé une patrouille au nord, le long de l'autoroute 97, pour enquêter sur un groupe d'anarchistes. Vous avez déjà eu affaire à eux? Les anarchistes. Ces fils de pute qui laissent des tas de cailloux un peu partout. Ouais, ouais. Je suis déjà tombé sur eux une ou deux fois. À l'époque, je pensais qu'ils étaient tous morts. À l'évidence, non. J'ai marqué leur position sur votre carte. Je vous envoie en solo au cas où un de nos hommes aurait été pris en otage. Ouais, je vois. J'aurais plus de chances de le tirer de là en vie. Compris. Le commandant de patrouille, le sergent Mitch Allen, est un de mes amis proches. Oui, chef. Je verrai ce que je peux faire. Je compte sur vous, caporal. Ce sera tout. Pourquoi ça n'a pas encore fini? Pour pas d'armes, oui. D'accord. Pas de problème. Y'a pas de soucis, princesse. Attention. Chef! Allez, je m'active. Oui, chef! Touche pas, je m'en charge.
C'est fou. John, vous êtes là? Ouais, Weaver, je suis là. Hey, appelez-moi Jim. Écoutez, je vous ai jamais remercié de m'avoir donné un coup de main. Ah, c'est rien. Je vais qu'obéir aux ordres. Eh ben, je vous remercie quand même. Et j'apprécie vraiment que vous risquiez votre vie dans le No Man's Land pour ma pomme. Et il faut que je vous dise, le napalm est presque au point. On aura bientôt besoin de vous pour le tester. Ouais. Pas de soucis, Weaver. Jim, comptez sur moi, terminé. C'est ça. Bon, par où on avance? Des empreintes de miliciens. Cairn. Ouais, des enfoirés d'anarchistes.
un coup d'œil dans le coin. On a quoi? Et voilà. Les empreintes vont par là. C'est là. Capitaine, je les ai trouvés. Apparemment, ils sont terrés dans une mine. Ils sont des otages? Est-ce qu'ils sont en vie? Je sais pas encore. Mais s'ils le sont, je vais les sortir de là. Chef, s'ils ont votre ami, je le retrouverai. Merci. Terminé. Les symboles anarchistes, ça doit être là. Quoi? Il y a un truc par là. De quoi? Des hommes approchent! Ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Je m'en sors bien. Les empreintes vont par là. Toi, tu vas bien me servir. C'est là. Capitaine, je les ai trouvés. Apparemment, ils sont terrés dans une mine. Ils ont des otages? Est-ce qu'ils sont en vie? Je sais pas encore. Mais s'ils le sont, je vais les sortir de là. Chef, s'ils ont votre ami, je le retrouverai. Merci. Terminé. Où est-ce qu'ils t'ont bloqué, hein? Oh, une mine. Putain, encore une mine. Ça doit être là. Ouais. Un cairn. Parti? Ouais. J'arrive. Enfoiré. Ça peut être juste. Bon. T'as l'air? Hein? Bantalure. Vous pensiez pouvoir vous installer dans le coin et vous servir dans les convois de ravitaillement de la milice, c'est ça? Encore la signature des anarchistes.
Quelle chaleur. Cache pas loin. Ok, c'est bon. C'était le dernier. Bon débarras. Le voilà. Salut, sergent. Vous devez être Mitch Allen. Et je me croyais foutu. Merci. Merci pour tout. Je pensais que c'était fini. J'imagine. Vous allez pouvoir ressortir tout seul. Ouais, pas de problème. Merci, vieux. Je vous dois la vie. En rentrant, je leur dirai ce que vous avez fait. Je vous le jure. Je fais que mon boulot. I just do my job. M'ont surpris ces bâtards. Doromu, ça va? Par ici qui vient de tous tomber.
Capitaine, j'ai trouvé votre homme. Il doit être en chemin pour Diamond Lake. Beau boulot, Saint John. Je vous recontacterai pour prendre de ses nouvelles. Terminé. Bon, c'était la journée remue. Tu racontes de bon. La Ferrari, cool. Ils pourront servir. Pipapaparapo. Je sais pas trop quoi play, ni l'envie de savoir quoi stream. Après, quand t'as pas le feeling, faut pas. Pas de forcer, de toute façon. Mais t'as pas des vieux jeux que t'aimes bien que tu pourrais te refaire, pas à la limite, t'sais ? Genre une licence complète, t'sais, moi j'ai envie de me refaire les Far Cry. J'ai envie de me refaire les Fallout, les Dead Rising, les Hitman, tu vois, genre une grosse série que tu kiffes, tu te fais un trip, tu te dis, allez, vas-y, je l'ai refait, tu sais. Capitaine, y'a rien qui te tente en soi. Le sergent est rentré sain et sauf. Il est à l'infirmerie. Je pense qu'il va très vite se remettre. Grâce à vous. Je fais juste mon boulot, chef. Eh ben, c'était du sacré beau boulot. Merci. De ma part et de celle de Mitch. De rien, chef. Ok. Et voilà. Pire ton rat de munitions. Bah je sais pas, comme j'ai jamais fait, je sais pas si je suis pris de la fin ou pas. Pense pas tant, pas tant. Peut-être, enfin je sais pas, je veux pas savoir en fait. C'est, j'ai envie d'être surpris au moment où c'est la fin, t'sais. Me dites rien. C'est vraiment genre, j'ai envie de me dire, oh c'est fini. J'aurais pas mis à attendre quoi. Oh putain. Oh, ça c'est mes couilles. Ça c'est de la bite. C'est un truc assez difficile, je pense que ça me plairait, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Ah ouais, c'est punitif, let's go. Je crois que je le tape à l'occasion.
Il y a déjà plein de jeux que j'ai envie de refaire. Hein. Je sais pas. Ouais, je vois le genre. Ouais. Putain, t'es là. C'est un peu une sorte de Ori, mais en plus dur, quoi. Je vais regarder ça de plus près. Piste Taylor. Ok, voyons ce qu'on a ici. À trouver. Sans côté narratif, ouais, c'est moins drôle du coup, je pense. Petite merde. Ah, c'est comme les Dark Souls. C'est le lore, tu le comprends, mais on te l'explique pas, c'est à toi de faire tes déductions, quoi. Putain, j'ai pas de silencieux, j'ai rien. Bon, on va s'amuser. On n'est pas un de silencieux, c'est la baise. Je vais faire autrement. Ouais, 14% le silencieux. Enfin, j'en ai un là-dessus, mais. C'est pas un headshot, ça servira à rien. Et à mon avis, pour claquer un headshot, vu la précision de l'arme. Ça pue le cul! Ce serait trop cool de. Y a pas... Du coup, il n'y a pas une compétence qui permet de craft tes silencieux? Non. Bah, je trouve ça un peu dommage. T'es dans survie ou bien? Je l'ai pas vu. Il n'y a pas l'air. Dans combat de mêlée. C'est dommage. Mais bon, ça ajoute de la diff. Oh! 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 Pardon. Excuse-moi, je. Oh, j'ai plus de balles. Mais j'ai un silencieux. Oh, le silencieux tombe trop bien! Ça tombe trop bien! Ouais, ouais, ouais! Let's go! Push it up, push it up! Pap, pap. Ouh, il y en a même un là. T'es né. Ça casse les couilles, ouais, 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 ouais. Attends. Peut-être l'eau
Virginia Bush. Bruh. C'est ce que je voulais faire. C'était un sproc. Vous avez du rouge sur vous. Prenez 541 objets des cadavres. Bien sûr. C'est mieux que rien. Hep hep. Non, non, non. Ça me saoule, je touche mes armes. Voyons les gosses. Un bon, on some cowboy. Eh, hey, Genius, ça va bien? Félicitations pour ton code, mec. C'est cool. Je te l'avais dit que t'allais l'avoir. En vrai, peut-être psychonaute que je vais faire, mais elle est un peu vieux graphiquement, mais ça m'a toujours intrigué puisque c'est assez psyché comme Alice. Bah, en vrai, s'il y a un truc qui t'intrigue et que t'as envie de tester, il faut tester. Hein. Faut pas te retenir parce que tu te dis, ouais, je sais pas, ça, quoi, bon. Essaye. Si tu l'as, autant essayer, tu vois, genre. T'as rien à perdre.
j'aurais la digue. Je sais plus ce que j'ai à faire ici. C'est à qui je pensais que j'allais faire, je pensais. Ah, bah en vrai c'est bien trois fautes, hein, c'est pas... En vrai t'as fait plus, je suis en vélo, hein. J'avoue que le code, une fois que c'est fait, le plus casse-couille est terminé, quoi. Bah ouais, mais je rentre comment, c'est trop marrant. Hein. Ah ouais, bah ça, Hunt, si t'es un peu bruyant, que tu t'en rends pas compte, ou des trucs comme ça, c'est terrible. Nous hier on a joué, on a fait pas mal de belles games, c'était cool. J'ai terminé mes maîtrises, ça c'est cool de ouf parce que j'en ai plein le cul, donc maintenant je peux jouer vraiment les armes que je veux. Et puis road to prestige 100 si j'ai le courage, quoi. Ça va m'aider. Bah en fait faut être situationnel, tu vois, je pense. J'ai pas la science infuse, mais selon moi, je peux peut-être la pousser. Elle. Selon moi, Hunt doit rush et rester à distance en fonction de certains paramètres. C'est-à-dire que si t'entends qu'il y a une grosse fight, c'est sur un boss, c'est deux équipes qui se battent, t'entends les tirs de où les deux équipes tirent. Tu te dis vas-y, j'avance, j'observe, je vois où ça en est, tu viens, tu ramasses les miettes, tu plies la team qui a fini et qui est en train de rester, c'est mort, tu vois. En vrai, t'es pas mal. Même en 2v2, ça marche. Mais 2v2, c'est pourri parce qu'il y a beaucoup de campeurs remus. Tu devrais faire du 2v3. Parce qu'en plus de ça, bon, déjà de 1, ça t'entraîne. De 2, ça te permet de faire en sorte d'avoir des mecs avec un plus petit MMR que toi, donc t'as plus tes chances, surtout quand tu reprends. C'est pas mal. Mais je monte par où? Je comprends un polo. J'essaie de passer par en dessous peut-être. Je trouve que je fais le tour comme un gogol, mais il y a une entrée plus bas. Il veut pas faire un trio, ah ouais. Bah faut mieux choisir tes potes. Ah ok, c'est bien compliqué. Moi je pars tous les bons conseils du monde sur Hunt.
Mais faut y mettre du vote, les gars. And camomille. Hey, bruh. Bruh. Sur le boulot. Ah, clapaline. Avec le praline. J'ai qu'un peu de chance, il tombe. Dans le doute, là. Dans le doute, là. Prends ma peau, là. Police. Je comprends pas, là. Je comprends vraiment pas, c'est horrible. Je sais vraiment pas quoi faire. C'est l'enfer. Bah, je vais tenter de faire sauter la porte de devant. Je vois que ça, de toute façon, là, donc... Nick. Attrape. Grab. Ça ne marche pas. Ouais, ouais, ouais. Ça ne marche pas. La bombe télécommandée. Ça devrait faire l'affaire. Explode. Je comprends vraiment pas là ce que je dois faire. Au secours! À l'aide! Après, en vrai, tu sais que je sais pas si t'as fait gaffe, Romu, mais dans le Discord, il y a un salon textuel qui s'appelle Rôle spécifique. Et en fait, ce salon-là, il te permet de chercher des mates sur des jeux que moi je fais beaucoup. À savoir, genre Hunt, Sea of Thieves, tout ça, tu sais. Genre, si tu cherches un mate, n'hésite pas à mettre un message, hein. Parce qu'il y a des chances que tu trouves quelqu'un avec qui jouer. No joke. Je dis pas que ça marche à chaque fois. Mais ça coûte rien de laisser un message et de voir si ça prend. Si ça peut t'aider à trouver des mates. Pourquoi pas? C'est là pour ça. Let's go. J'ai tourné pendant combien d'années autour de cette merde? Merde! C'est un bug? Reste un ennemi, bah non. Ça me dit éliminer les maraudeurs, mais... Ah ouais, il me dit qu'il reste des gens. Je pense avoir eu tout le monde.
Un ennemi n'a pas pop. Pack. C'est pas grave, je l'ai sur notre mission, puis je reviendrai après. Bah, let's go. Il y a quoi à côté? Que je me prenne pas trop la tête. Avec Ramesnin, merde là. Ce que je peux faire. Et du coup, il y a tout le monde qui va pop ou il y aura juste celui qui me manquait? Un dingue qui traverse. Mon pote, à une époque, ça aurait été une mauvaise idée. Et en fait, c'est tout.
fait, j'ai voulu esquiver l'eau pour pas abîmer la moto, j'ai pris le rocher comme un idiot. Un idiot. C'est réparable. Non, ça devrait marcher. Cette biche, si tu n'as pas l'air, tu ne peux pas voler. Où il est, ce putain de nez? Il doit pas être loin. Injecteur du Nero. Est-ce qu'il marche encore? Thank you.
Cours. Aïe. Ah, dommage. Merde. C'est pas grave, je vais la retenter quand même. Je la sens bien, cette horde. Oh, vite. Ça dégage. Qu'est-ce que t'as fait tomber ? Ça peut m'être utile.
que c'est bon. C'est vraiment ultra efficace. Hein. Je pense que je peux y retourner là, non? Les hurleurs, il me reste plus beaucoup de nids à dégommer. Ouais, c'est parti. C'est Death Stranding aussi qui me plairait bien à faire là. Il y en a beaucoup qui ont dit ouais c'est du FedEx et tout, nana, tu passes ta vie à faire des allers-retours. Mais apparemment si tu fais vraiment les missions secondaires c'est pas comme ça quoi. Du coup je sais pas trop quoi me fier. Bon je me ferai une idée. Kojima. Je fais confiance un peu. Quoi. Oh bâtard. Oh please bruh. Tu veux? Pas nous chaud bad dead. En vrai, heureusement que j'ai des renforts de ouf dans tous les sens. Hein. Parce que là, genre, j'ai niqué toutes mes failles pour crafter. Mais ça, c'est un coup à être dans la merde après. Ça va, Taylor. J'ai merdé, mec. Je voulais pas le tuer, putain. Il devait pas être là.
Le doc était un chip type. Putain, il m'a aidé, bordel, il m'a aidé. Allez, lève-toi. Non. Je veux pas finir au bout d'une corde. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Non, pas la corde. Hey, écoute-moi, Taylor. Taylor. Tu te balances en pissant dessus pendant que tous ces connards regardent à vous se foutent de ta gueule. Ils se foutent de toi. Ils se foutent de toi. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Pitié. Les laisse pas me pendre. Putain. Merde. Pitié. Ok, Wade. Overdose, gros. Saint John. Je suis là. Overdose. Putain de merde. Sortez le corps de là. On laisse jamais un cadavre au mutant. Peu importe le crime qu'il a commis. Je peux déjà vous dire que le colonel va être furieux. Alors ? Quand on l'a trouvé, il était déjà mort. Overdose. On a l'essentiel des médicaments, mais pas tout. Comme si le monde n'était pas suffisamment corrompu et putride. Comme si le monde n'était pas déjà rempli de créatures décérébrées et dénuées d'âme. Rapportez ça à l'infirmerie. Mais cette fois, ne nommez pas un junkie à ce foutu poste. Oui, chef. Deacon, est-ce que t'es là? Deacon, c'est Sarah, il faut que je te parle. Ouais, je suis là. T'as l'air de bonne humeur. Eh ben, j'ai fait une percée. Tout ce qu'il me fallait, c'était ce séquenceur d'ADN. Je suis prête à le tester. Deacon, je suis prête à tester mon sérum. Wow, ok. Et qu'est-ce que t'attends de moi? Je te le dirai quand tu seras arrivé. Sarah, terminé. T'as l'argent qui te brûle les doigts ou quoi? Ah, voilà, j'aime mieux ça. Oh, c'est parti pour une amélioration. Bien. Bah tiens, normal. J'en ferais autant si j'avais assez de crédit. Hé, tu vas faire de moi un milliardaire à ce rythme. Oh, le flambeur. Et voilà. T'as l'argent qui te brûle les doigts ou quoi? Ouais, ok. Pas plus, caporal. Caporal, comment ça va? Hé, sergent.
Toujours en vie, on dirait. Pas de problème. Ah, caporal, Deacon St. John. Revenez vite me voir. Vas-y, Willy. Essayez de récupérer des trucs, tu vois. Attends une seconde. T'en veux un vivant ? Eh, c'est pas évident de faire des tests sur un cadavre. Tiens. Quoi, qu'est-ce que c'est ? Un tranquillisant spécial. Pour l'endormir suffisamment longtemps et le ramener ici. Je suis à deux doigts d'y arriver. C'est peut-être la bonne. Oui, chef. Deacon, tu me reçois ? Hé ! Je partais justement te chercher un tétard ! Super. Il m'en faut un bien précis, d'accord ? Oh, une seconde, attends. Un tétard bien précis ? Au sud d'ici, pas loin de Rim Drive, tu trouveras un cottage de vacances. Une colonie d'enfants infectés y a élu domicile. Des tétards. Ok. Ok, appelle-moi quand tu seras sur place. Terminé. Une colonie de tétards. La vague, ça vaut le détour. St. John au rapport. Capitaine, je suis en mission pour le lieutenant Whittaker. Je vais être pris pour un moment. Entendu. Venez me voir quand vous aurez fini. Nous sommes prêts à tester l'arme de Weaver. Terminé. Oui, merde. Weaver aura terminé son projet avant Sarah. Sarah, j'y suis. Ok. Cherche une jeune fille portant un t-shirt rouge. Le style de haut pour ado où il y a écrit « jeune et jolie » ou un truc du genre. Je suis surpris que le colonel ait pas brûlé l'endroit. J'ai dit à Matt de pas toucher à ce site. Ça fait des mois que je teste le sang des plus jeunes. J'ai besoin d'eux pour le sérum. Ok. Mais comment je suis censé dénicher celle que tu veux sans tuer ses potes ? Je sais pas. Écoute, fais ce qu'il faudra, d'accord ? Il me faut la fille au t-shirt rouge. Gardez tout le bon matos. Je ne tente rien à rien. Ça tape. Je te tiens, sacré. Oh putain. Thank you.
voulez un vivant ? Madame est servie. Putain de bordel de merde! Oh. Hey, capitaine, il a pissé sur ma bécane. J'ai bien peur que le colonel ait interdit les animaux de compagnie sur l'île. Le lieutenant avait besoin d'un cobaye vivant. Vous avez l'air de bien vous entendre, le lieutenant Whittaker et vous. Je fais que mon boulot, chef. Que ça reste professionnel. Le colonel désapprouve toute fraternisation entre les conscrits et les officiers. Oh, non, non. C'est pas vraiment mon genre, chef. Bien. Allons-y. Oui, chef. Ok. Allez, aide-moi. Super ton franchise. Ouais, leur physiologie est complètement à l'ouest. Mais qu'est-ce que tu veux? Je trouve pas le bon dosage. Attends, tiens, prends ça. Mais... C'est long. Attends, encore quelques secondes. Tiens-le. Oh bordel. Putain de merde. La vache. Eh ben... Je sais pas ce que t'as mis là-dedans, mais ça agit vachement vite. Oh non, fais chier! Attends, tu fabriques pas une arme biologique, tu? Fabriquer un vaccin. Oh bon sang, tu cherches un remède? J'ai cru qu'en récupérant la souche originelle de Cloverdale, je pourrais... créer des anticorps à partir du virus, par rétro-ingénierie. Oh merde. Et là, tout ce travail, tout ce que j'ai accompli est bon pour la poubelle. Je peux pas les sauver. On pourra jamais leur rendre leur état normal. Alors debout, souffle un bon coup et réessaie. T'as pas vu ce qui s'est passé ou quoi? Chaque cellule dans le corps de cette gosse a explosé. Raison de plus pour pas jeter l'éponge. Quoi? Parce que oui, c'était une gosse. T'as une idée de combien de ces saloperies j'ai tué? Et jamais, pas une seule fois, je me suis dit « Ah ouais, tiens, c'était la gosse de quelqu'un ». J'ai rencontré une fille une fois. Elle parlait des mutants de la même façon que toi, et elle disait qu'ils étaient tous malades. Je trouvais ça dingue, mais elle les regardait avec les mêmes yeux que toi. Donc tu crois que je suis dingue? Non, non. Je crois que t'es la première personne saine d'esprit que je vois en 2 ans. Tu sais, je me rappelle encore de la nuit où je t'ai perdu. Mais là, je réalise... que c'est pas la nuit où je t'ai fait monter dans l'hélico. C'était celle d'après. Vous aurez moi, on est arrivé dans le camp de réfugiés où t'étais censé être, ok? Sauf que ça grouillait, mutant. Les hélicos étaient en flammes, les gens hurlaient, il y en avait tellement. Alors on s'est battu, on a gagné. Résultat des courses, des corps, des cadavres, partout. Je les ai tous vérifiés. Chaque visage, il devait bien y en avoir 1000, peut-être plus, mais je les ai inspectés un à un. C'est la nuit où je t'ai perdu. Et Boozer... Boozer, il a fait de son mieux pour m'aider à garder la tête hors de l'eau pendant 2 ans. Moi, j'en avais plus rien à foutre. Tout ce merdier. Et puis, j'ai aperçu l'hélico du Nero dans le ciel. Ça m'a comme ranimé. Je me suis dit, ouais, en fait, mais putain, je plaque tout. Car si elle est vivante, je la retrouve. Et quand ce sera fait, on partira ensemble sans se retourner. Parce que je veux pas faire partie d'une milice. Je veux pas faire la guerre ou même vivre dans un camp. Alors, pourquoi tu es resté là? Pourquoi? Mais pour toi. Pour tout ça, parce que je t'ai vu trimer. Je t'ai vu travailler sans relâche.
La plupart des gens essayent juste de survivre, mais toi... Merde, tu cherches à sauver le monde. Ouais, bah... C'est pas suffisant, on dirait. Alors debout. Essuie tes vêtements. Et recommence. On va retourner à Cloverdale. Ils sont mieux équipés, on va fouiner plus loin dans leur projet. Tu m'aiderais. Tu ferais ça. Oui, bien sûr. Je t'aiderai parce que tu crois en cette chance. Renonce pas. On ira au nord. Ouais, cap au nord, on leur dira qu'on part se ravitailler. Sauf qu'on reviendra pas. Non, on désertera. Tu sais que s'ils nous coincent, c'est la corde directe. Et on finira ensemble. Madame ? Oui ? Dick, le colonel te demande. J'arrive. Prends tes affaires, je reviens. À vos ordres. Caporal St. John. Colonel. Suivez-moi, je vous prie. Vous êtes prêt? Colonel, oui, chef. Tout est prêt à l'emploi. Les motos sont chargées. Je suis pas sûr de vous suivre. Le lieutenant Weaver a terminé son arme. Il est temps de la tester. Et comment ? Prêt à faire flamber une horde ? Quoi ? Un problème, caporal ? Non, chef. Non. Cool. Ça va faire mal. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Messieurs, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. En avant ! Lieutenant Weaver, avec moi. Oui, chef. Ok, je pense qu'on devrait... Je pense que vous devriez rester ici et me laisser faire. Vous êtes dingue, vous voulez mourir ? Non. C'est pour ça que je pense devoir y aller seul. Écoutez, même avec les Molotov boostés de Weaver, on n'aura jamais une horde entière du premier coup. Non. Donc, je pense qu'il faut que je descende. J'attire leur attention, je m'arrange pour ferrer un petit groupe et je cours comme un dératé. Il faut que je trouve un moyen de les ralentir, peut-être, en posant quelques pièges. Et puis je les fais tous sauter. Écoutez, si on se pointe tous les deux là-bas, ça va être un putain de chaos. On va seulement se mettre en danger l'un l'autre. Non, vous restez ici et vous couvrez mes arrières. Si ça dégénère, vous venez me tirer de là à moto. Sauf si vous avez une meilleure idée. Non, j'en ai pas. J'ai d'autres Molotov, des munitions, dans mes sacoches. Ah, nickel. Ça risque de me servir. Comme je disais, trouver un moyen de les ralentir. Ces enfoirés aiment bien s'agglutiner, se monter les uns sur les autres. Si je trouve un espace étroit entre deux camions, des bâtiments ou un truc du genre, ça leur prendra un moment pour passer. Et quand je les aurai distancés un peu... Vous les ferez tous sauter. Bingo. On répète l'opération deux ou trois fois, et on peut dire adieu à la horde. C'est votre plan. C'est mon plan. Bonne chance, St. John. La chance a rien à voir là-dedans. Ok. J'arrive. Je vous vois. Dites-moi s'il vous faut de l'aide. Compris.
dernières nouvelles. À la bouffe, les gars! Il suffit de m'attraper. Ça doit faire l'affaire. J'arrive ici, je trace, je cours. Je passe à droite. Vous êtes chaud les gars dans le chat parce que là ça va barder sec. Concentration. Endurance. Centre. Quoi, ça a pété là? Qu'est-ce que ça donne? J'en avais eu à peu près un quart, continuez comme ça! J'essaie! Bravo! Alors, ça te plaît, Thank you.
Merci, mes amis. La horde est juste au-dessus de vous. Non, pas tout à fait. Saint-John, la horde se déplace. Ouais, c'est l'idée. Venez, bande de fils de pute. Alors, ça te plaît, hein? Pas beaucoup d'efforts, je trouve. Je les ai tous eus. Je le crois pas. Vous avez réussi. Vous avez exterminé une horde tout entière. Ouais. C'était du gâteau. Sarah, t'es là? Lieutenant Whittaker, ici le caporal St. John. Au rapport, à vous. Et où est-ce que t'es? Capitaine, je viens d'essayer de joindre le lieutenant Whittaker. Elle répond pas. Vous étiez pressé de lui apprendre la nouvelle? Ouais, elle sera ravie. Sans doute. Vous la verrez bien assez tôt. N'appelez pas le lieutenant Weaver. Je voudrais lui annoncer personnellement. Ok. Vous l'avez mérité. Bien reçu. Terminé. Thank you.
On a réussi. Vous avez réussi. Weaver a réussi. J'avais jamais vu un truc pareil. Vous aviez un train d'avance sur eux ou quoi? Vous avez déjà eu une horde aux fesses? Ça stimule la libération d'adrénaline. Le colonel a raison. On va peut-être la gagner, cette guerre. Stylé la horde en vrai, non? Vous avez kiffé? Kiffé de ouf. Hey! Alors? Ah, désolé, lieutenant. Eh merde. Ça n'a pas marché? Vraiment désolé. Va falloir changer vos plans. Parce que ça a marché. Sérieux? Vous auriez dû voir ça. On leur en a mis plein la gueule. Génial! On va fêter ça ce soir. Au mess des officiers. Super! Qui sait qui va avoir une promotion? Hey, vous venez? Vous savez quoi? Je vous rattrape. Il faut que je règle un dernier truc. D'accord, comme vous voulez. C'est le dernier. Attention à ne rien casser. Ces objets sont... irremplaçables. Qu'est-ce qui se passe? Où est le lieutenant? Caporal St. John. Excusez-moi, chef. Ce n'est rien, fiston. Le personnel essentiel affecté au R&D a été déplacé. Déplacé? Où ça? C'est que je dois lui livrer le matériel qu'elle m'a demandé. Je comprends. Il y a eu un... Allons faire quelques pas. Venez. Madame, ordre du colonel. Matt, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas m'enfermer ici. Au repos, capitaine. Et l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Matt, mais de quoi parlez-vous? Je suis désolé, lieutenant. Faites pas ça! Colonel, attendez! Hé! Hey. Ça va. Ça va. Madame, j'ai le matériel que vous avez demandé. Entrez. Suivez-moi. Je travaille sur un nouveau projet. C'est du poison, cette fois. Écoutez. Soyez prudent quand vous cueillerez cette plante. Sans ça, vous pourriez mourir. Compris. Je vais te sortir de là. Je te remercie. Oui, madame. St. John, ici le capitaine. Je suis là, capitaine. Le colonel demande à vous voir. Vous le trouverez dans ses quartiers, dans l'arche. Ses quartiers? Quand vous entrez depuis le camp principal, passez devant la première zone de stockage. Il y a une galerie sur la gauche. Ok. Une idée de ce qu'il veut? C'est à propos du tableau de service. Ne le faites pas attendre, caporal. Oui, chef. Votre nom a été mentionné dans le cadre d'un futur projet important. Ne faites pas de vagues et vous pourriez bien être promu rapidement. Oui, chef. Terminé. Un projet important? Quel projet? Sarah, t'es là? Réponds. Caporal St. John, je ne tolère aucun manque de respect. Soldat, j'essaie de travailler, laissez-moi. Désolée, madame. Ordre du colonel. Je dois vous surveiller 24 heures sur 24. Lieutenant, désolé. Je voulais vous parler. J'ai une question concernant votre formulaire de réquisition. Oui, caporal. Ça dit que vous voulez que je cueille de la ciguë aquatique? Oui. Elle pousse au bord des plans d'eau. Cherchez à la lisière nord des marais de Klamath. Vous devriez en trouver là-bas. Les marais de Klamath, c'est noté. N'oubliez pas, caporal. C'est une plante très vénéneuse. La plus toxique d'Amérique du Nord. D'accord, je ferai attention. Et d'après les derniers rapports, il y aurait des corbeaux infectés dans la zone. Vous devriez prendre de quoi brûler leur nid. Brûler leur nid. Ok. Une dernière chose. Cet autre projet sur lequel je travaille, j'aurai bientôt plus d'informations à vous donner. Merci, caporal. Whittaker, terminé. Caporal St. John,
On se voit plus tard. J'ai besoin de cartouches de fusil à pompe. Il me faut des molotovs pour cramer ces nids. Caporal Saint John. Hé, hey, servant. La vie, ça va? Oh, le flambeur. Hein? Ah, ok. À plus, caporal. Salut, Weaver. Oh, caporal Saint John. Entrez, entrez. Visez un peu mon petit chez moi. Ouais, j'adore la nouvelle déco. Ah, l'histoire de fou. Qu'est-ce qu'il m'aurait fait si je m'étais planté? Une grotte plus froide de ce côté, là-bas. Ouais, j'en ai entendu parler. Elle a tout aussi mal pris que moi. Ouais, c'est pas faux. Besoin de quelque chose? Non, mec, ça va. Eh, vous savez quoi? Il y a un service que vous pouvez me rendre. Vous entendez? Non, quoi? C'est ça. Rien. Vas-y, le colonel n'est pas vraiment du genre mélomane, vous voyez. Il doit être mélonite ou je sais pas quoi. Non, c'est la danse. Hein? Quoi? La danse? Les mélonites, ils adorent la musique. C'est la danse qui leur pose problème. Bon, bref, oublie ça. Ah, sans deck. Je vous crois. On s'en fiche. Il me faut un lecteur MP3, des écouteurs, bref. Du son, quoi. C'est une blague? J'ai l'air de blaguer? Ok. Merci. Oh, tout à fait. Je comprends tout à fait le point de vue de monsieur. Chef, je venais... Vous savez, quand j'étais jeune... On aimait bien explorer des grottes dans ce genre, à la recherche des hiéroglyphes, de gravures faites par les Modoc, il y a des milliers d'années. Bonne soirée, des bisous, merci. Ils vivaient dans ces grottes, vous savez, les païens, dans le froid et l'obscurité. Et regardez-nous, voyez à quoi nous en sommes réduits. Colonel, je le soldat qui était affecté au lieutenant Whittaker et Weaver, celui que vous remplacez. Il a déserté. Il a pénétré dans mes quartiers et volé ma Bible personnelle. J'entends bien la récupérer. Oui, chef. J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Rompez, caporal. Je vais aller à Diamond Lake. Parce que je veux améliorer la moto et que j'ai pas mal de fric. C'est le moment de le faire. Donc on prend la meule et on se casse jusqu'à Diamond Lake. On améliore la moto et on ira faire un camp de maraudeur ou quoi avant d'aller sur Sea Active. Il me reste un quart d'heure.
On doit être à peu près dans le timing. Dick. Ce jeu, c'est une dinguerie. Je surkick dans tous les sens. C'est incroyable. Tout ce que je kiffe, ils l'ont mis dans un jeu. Des bécanes, des flingues et des zombies. Bon bah. En plus de ça, le scénar est cool. C'est pas mal ficelé. Non, sérieux, trop bien ce jeu. Vraiment, je vais pas arrêter de le répéter. Mais... Weaver, oui. Je vous entends mal par contre, ça coupe. Ah, c'est cette petite grotte. C'est même étonnant que j'arrive à avoir le moindre signal. Hé, tu sais où vous pourrez trouver un lecteur MP3. Ok, super. Où ça? J'étais dans le camp de réfugiés d'une fac quand il a été pris d'assaut. Fac? C'est à l'est d'ici, sur l'autoroute 97? C'est ça. Le territoire des Fighting Platypus ou un truc du genre. Bref, quand j'ai mis les voiles, j'ai tout laissé sur place, y compris la musique. Ah merde! Faut que j'y aille. Faites-moi signe quand vous serez arrivé. Terminé. Ok, oui, mais pas de soucis. O'Brien. Répondez, O'Brien. Je sais que vous êtes sur ce canal. Drifter, je pensais plus avoir de vos nouvelles. J'avais plus aucun signal radio. Ouais, j'avais éteint le Toki. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Je vous écoute. Ma femme, celle que vous m'avez aidé à localiser. Je m'en souviens. Bon, je l'ai retrouvée, O'Brien. Elle est vivante. C'est incroyable. Les chances qu'elle s'en sorte étaient... Ouais, j'ai pas le temps. Écoutez, je l'ai retrouvée. Elle est vivante. Mais elle est retenue par la milice. C'est Tiff, vous m'avez parlé. Je suis désolé. Ok, bon, j'ai pas besoin de votre putain de compassion. J'ai besoin de votre aide. Elle est retenue dans un endroit où je peux pas l'approcher. Il faut que vous m'aidiez à la sortir de là. Vous savez bien que je peux pas... Attendez, attendez une seconde. Ok, mais va falloir nous rendre à service d'abord. Tout ce que vous voulez, je ferai n'importe quoi. Laissez le Toki allumé cette fois. Je vous recontacterai. Ok, O'Brien. O'Brien. Oh merde. Tout va comme tu veux. Bon choix, c'est de la qualité. Ouais. Caporal Saint John. À une prochaine fois. Caporal Saint John, tout va bien? Ouais. Attends, j'ouvre la porte. Drifter, vous êtes là? O'Brien, vous étiez passé où, putain? Retrouvez-moi aux coordonnées que je viens de vous envoyer. Terminé. O'Brien! O'Brien! Chier! Saint John, ici le colonel Garrett. Au rapport. Oui, chef.
Caporal, excellent, oui. Un autre traître a été découvert dans nos rangs. Un espion à la solde des anarchistes. Encore les anarchistes. Oui, vous n'avez pas oublié. Il s'est enfui avant d'être appréhendé. Nous l'avons poursuivi au nord, mais notre patrouille l'a perdu. J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Il nous le faut vivant, Caporal. Il faut qu'on sache ce qu'il faisait ici, ce qu'il a appris, et les intentions de son groupe. Oui, colonel, je ferai de mon mieux. Comme nous tous, Caporal. Rompez. Hey, Fox Frog, ça vient ? Comment est-ce qu'il va ? Ici Ricky pour Lost Lake, répondez. Ricky, bonne neuf. Ricky, Boozer, vous m'entendez ? Deacon pour le camp de Lost Lake, répondez. Je voulais juste savoir ce qu'il fallait d'autre à Addy. Elle... Putain, merde, Ricky, j'en sais rien. Iron Mike, Addy. Boozman, Ricky ! Ah bah, Boozman. C'est bien. Caporal Saint John, présentez-vous à l'avant-poste de Diamond Lake. À vos ordres, capitaine. Bon. Qu'est-ce que vous me voulez, O'Brien ? Content que votre femme ait survécu. Ok, qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez que les infectés, les mutants, certains mutent plus rapidement que d'autres. L'un d'eux porte un bracelet électronique pour qu'on le suive et qu'on fasse des prélèvements de temps en temps, qu'on suive le développement du virus. Ok, pourquoi vous avez besoin de moi ? Il est sur le territoire de la milice. Impossible d'en approcher. Ouais, sur vol interdit, ils ont posté des lance-roquettes. Exactement. C'est quoi ? Quand vous l'aurez retrouvé, j'aurai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Ce kit contient le nécessaire pour une biopsie. Prenez du sang et des échantillons de tissu. Compris ? Je vais me débrouiller. Au fait, cet uniforme vous va... à ravir. Génial. Le signal du traceur s'est stabilisé autour du mont Scott. Il y a une grotte. Le spécimen que vous pistez a un métabolisme très élevé. Nous pensons qu'il s'y rendra peut-être. Et il y a autre chose que j'aimerais que vous fassiez. Nous avons envoyé une équipe à pied sur place. Ils n'ont plus donné signe de vie. Dites-moi juste si vous les trouvez. Il y a des gens ici qui ont besoin de savoir ce qui est arrivé. En fait, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur le mutant que vous cherchez ? On ne sait pas tout. Ce que je peux vous dire, c'est que les infectés mutent. Je vous parle d'un bond de plusieurs millions d'années d'évolution. On pense qu'il communique via phéromones, comme les fourmis, les abeilles et d'autres types de... Vous savez, votre théorie, ça a l'air d'un gros ramassis de conneries. Continue de cavaler ! Croyez ce que vous voulez. Vous changerez d'avis quand vous ferez notre cobaye. Terminé.
Non. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Pas. Merde, de l'autre côté. Hey Captain, merci pour le raid poulet. Comment il va Bello? Ça va bien? Bienvenue les gars, vous allez bien? Si tu racontes debout depuis le temps, c'est vraiment que je l'ai pas vu. Let's go, merci Jonathan pour le follow. Bienvenue poulet. C'est cool. Ouais, ça va de ouf. Let's go. Ça va de ouf. Vous serez prêts? Un petit peu de texture là. Oh putain. De la merde de mutants. Et puis du coup, bah merci aussi. De la merde de mutants partout. What? Varkino, pardon. Je veux dire Captain. Je suis pas sûr. Vous savez ce qui est arrivé à vos hommes? Merci les gars pour les follow, c'est cool. Horde. Aucune idée. Ils n'ont plus donné de nouvelles. N'oubliez pas, si vous les retrouvez, les gens ici vous seront reconnaissants. Sans déconner, j'y crois pas. Oui, ça change tout. Bon, c'est compris. Ok. Je m'en charge, terminé. Du coup, ouais. Les gars. Ryan. Shout out à Captain of RDG. Si vous connaissez pas, c'est un jeune streamer, j'ai envie de dire. Il stream pas depuis si longtemps que ça, au final. Qui est passé sur la chaîne il y a quelques temps et qui est vraiment cool. En vrai, je vous conseille d'aller le voir. Elle est super sympa. Donc, en vrai, allez lui dropper les follows si vous l'avez pas encore fait. Et puis, pensez, en fait. Ça fait 3 mois qu'il stream. Voilà, vous voyez, c'est encore assez récent. Et en vrai, il se débrouille bien. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Je trouve ça cool pour un début. Du coup, en vrai, bah, les mecs, filez me claquer des follow chez lui, s'il vous plaît. Ce serait cool. Tu faisais quoi de beau, du coup, Captain? Vous avez envoyé combien d'hommes là-dedans? Ah, ça y est, t'as mis la cam, let's go. 4. 4 hommes. Un chercheur et 3 soldats. Oh, putain, Brian, qu'est-ce que je fous là? Le chercheur coupe et un de mes amis personnels. Rendez-moi ce service et je ferai tout mon possible pour vous aider à retrouver votre femme. Terminé. O'Brien, ressortez-moi votre baratin pendant que je traque votre mutant domestique. Parlez-moi du virus. Dites-moi des trucs que je sais pas. Le taux de contamination approche des 100% chez les personnes exposées. Durant les premières semaines, tous les jeunes de moins de 12 ans ont été tués. Apparemment, le système immunitaire des individus prépubères réagit différemment. Les personnes âgées de plus de 60 ans sont également décédées. Leur corps n'a pas supporté la mutation cellulaire fulgurante. Toutes les personnes exposées se transforment quand le gène mute. Le truc, c'est que le virus mute à une vitesse exponentielle. Je sais, vous arrêtez pas de le répéter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sujet infecté, le mutant que vous pistez, est différent de ceux que vous avez pu croiser. Nous avons suivi et identifié plus de 12 mutations. 12? Oui, et ce n'est que le commencement. Vous auriez du mal à croire tout ce que j'ai vu. Ouais, sans doute. Terminé.
Moi, c'est la première fois que je le fais, donc nous spoil les gars. R6, Rocket League, ça va, c'est bien passé les games? C'était cool? Un autre fumigène. Ouais, c'est forcément par là. Comme un sacré paire de balls pour les sports. Oh, voilà. Seriously. Ça. Merci, c'est un jeu où je pense que j'aurais plus hard du niveau et j'aurais kiffé jouer. O'Brien, j'ai rejoint votre homme. Il est mort. C'était G. Hernandez d'après son badge. Comment c'est arrivé? Comment je le saurais? Je suis pas légiste, O'Brien. Quelque chose là. Déchiqueté. Vous m'avez caché un truc au sujet du mutant que je piste? Pas que je sache. Terminé. Mais ouais, j'ai la flemme d'apprendre les maps. Fumigène. Ça doit être un des hommes d'O'Brien. Hé hey, vous m'entendez? Essayez de bouger si vous m'entendez. Levez le bras. Il faut juste que je trouve un moyen de passer. Ah ouais, manette, c'est un délire. Je comprends tellement. Par là, peut-être. Et qu'est-ce qu'il a attaqué? Il a rien vu venir. Bon, Brian, j'en ai trouvé un autre. Il y a écrit Robinson sur son badge. Ok, merci. Je vais informer sa famille. Donc vous avez encore vos familles, vous? Vous avez réussi à les évacuer alors que tout partait en couille? Je vais pas m'excuser d'être chanceux, plus que la moyenne. Oui, certains d'entre nous ont encore leurs proches. Pas beaucoup, mais certains. Ah, c'est super, Brian. Cool pour vous. On n'a pas voulu tout ça. Ouais. Ça s'annonce mal. Oh putain. Qu'est-ce que... Oh Brian. Ça marche, bon up. Merci pour le leurre, poulet, ça fait plaisir. Bien reçu. Oh putain. Attendez, il est encore en vie. Attendez, hé. Cooper. Hé, je suis là. On va vous sortir d'ici, d'accord mon gars? Cooper! Cooper, à vous! Désolé, c'est dégénéré. L'équipe massacrée. Venez. Non! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Deacon? Cooper! Ses jambes sont en miettes. Bougez pas, restez avec lui. Je vous envoie une autre équipe. Non. Ma conduite est percée. Je me ressortirai pas. Hey. Laissez-moi parler à Jen. Faites venir Jen, vite! Cooper. Bon sang, qu'est-ce qui vous a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est si vite. Je l'ai pas vu arriver. Vous voulez dire que c'est un mutant qui vous a fait tout ça? Un sprinter. Le sprinter. Cooper, tu es là! Jen! Je suis là! Lâche-moi, Cooper! Je crois pas. Je pensais plus jamais en pensant. Cooper. Jamais. On va venir vous chercher. Tu m'entends? Jen, je suis là. Oh mon Dieu. Jen, tenez bon. Sortez-la d'ici. Il est mort. Bien reçu. Terminé. Un sprinter.
expliquez-moi à quoi j'ai affaire, O'Brien. Parlez-moi. Les gars du labo l'ont surnommé le Sprinter. Le Sprinter? Pourquoi? Il porte un survêt et des baskets, votre mutant? Non, il est juste... rapide. On a enregistré des pointes à 65 km/h. 65? Le Sprinter doit porter un traceur. Prenez-le. On s'en servira pour vous guider vers la sortie. Comment ça, O'Brien? Grâce à l'infrarouge, on va pouvoir suivre les déplacements de la Horde. Prenez-le! Oh, c'est pas vrai. Oh. Que ça en vaut la peine, O'Brien. O'Brien, j'ai vos échantillons. Station, tirez-vous de là. Quoi? Sortez tout de suite. Il y a une horde à l'approche. Oh, tu te fous de ma gueule, putain. Merde, il se rapproche. Bon, il est temps d'en finir avec ces enfoirés. Vous aurez plus besoin de ça. On arrive quand la Horde? Ouais, je comprends pas trop, je vais arrêter là parce que je sais pas ce qui se passe. On verra plus tard.